Sympa ce que tu joues, dis-moi. Ah ouais, merci. Tu penses à Sandra ? Je pense toujours à Sandra. Complètement accro, toi. Je suis pas accro, je suis amoureux. Ouais, bon, c'est à peu près pareil. Tiens, mais au fait, dis-moi. T'as conclu ? Ça veut dire quoi, ça ? Conclu, quoi ? C'est pas celui qui comprend pas. Ouais, bien. Si tu veux savoir si on a fait l'amour, la réponse est non. Mais je peux savoir ce que t'attends, tu sens pas qu'elle est d'accord ? Écoute, on en a parlé tous les deux. On préfère attendre pour être sûr de nos sentiments. Ah. Bah moi, tu vois, pour être sûr de mes sentiments, je préfère le faire que d'en parler. Déjà, c'est beaucoup plus agréable. Hein. On n'est pas fait pareil, toi et moi. Tu peux savoir où ça te mène ? À vivre quelque chose de beau. Comme avec Julia Roberts. Ah ouais, finalement, tu te débrouilles très bien. Hein. Parce que non, c'est vrai, t'arrives à vivre la même histoire avec une fille que tu vois tous les jours qu'avec une star qui habite à l'autre bout du monde. Finalement, c'est peut-être ton truc. Je suis mort de rire, toi. En tout cas, moi, je vais te dire, avec Géraldine, c'est le bonheur. Eh ben, tant mieux pour vous. Et en plus, t'as remarqué ? On ne demande même plus les clés de la piole. On s'est trouvé un petit nid d'amour. Où ça ? Top secret. Mais tu vois, cette fille, au début, j'avais un petit peu peur d'elle. Ah ouais. C'est bête, hein ? Ouais. Je savais pas si je pouvais lui faire confiance, elle était un petit peu éparpillée. Mais maintenant, tout va bien. Elle avait besoin d'un maître. C'est tout. Et c'est toi son maître. Et je vais te dire, c'est vraiment bien parce que je suis très bien avec elle. Ouais, t'es amoureux, toi aussi. Ah non, non, non. Moi, c'est le contraire de toi. Je suis plus accro qu'amoureux. Tu viens de me dire que c'était presque pareil. Bah oui, pour toi, pas pour moi. Enfin, on verra combien de temps ça durera. Hein. Eh ouais. Salut les gars. Attends, je peux savoir comment t'es rentré ? Hein ? Ah bah, je me suis fait faire un double des clés quand tu me les as passés la semaine dernière. Ah, j'étais bien inspiré d'ailleurs. Hein. Attends, ouais. Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce que tu fais avec toutes ces valises ? Eh ben, comme tu vois, je suis à la rue et je vais habiter avec vous. Les filles, je me reconnais pas. T'as grossi ? Mais non ! Ça fait presque une semaine que je suis avec Fred et j'ai pas encore eu envie d'un autre garçon. Ah oui, c'est vraiment un signe, ça. Il est tellement mignon. C'est tellement simple avec lui. Le mien aussi est vraiment craquant. Mais bon, c'est un peu plus compliqué, hélas. Pourquoi ? Ça marche pas avec Jérémy ? Bah si, ça marche, mais bon, enfin... On s'embrasse de temps en temps, mais c'est tout, quoi. On dirait qu'il a peur d'aller plus loin. C'est mauvais signe, ça. Tu devrais changer de mec. Mais non, c'est lui qui me plaît. Bah, essaie d'en trouver un qui te plaise plus. Ah, ça, c'est pas possible. Il est trop mignon, mon Miminou. Tu l'appelles mon Miminou? Bah oui, Mimi pour Jérémy, et nous, parce qu'il est tout petit. Ouais, non, non. Ouais, c'est mignon, en tout cas. Et il est au courant que tu l'appelles comme ça? Non, mais bon, j'attends qu'on soit un peu plus intime, tu vois. Tu devrais trouver un surnom pour Julien, toi aussi. Non, j'ai pas envie, Julien, ça me suffit. Et moi, Fred, ça me va très bien. Au moins, c'est court. J'ai qu'à dire Fred, et hop, il arrive. Je lui ai fait croire que j'ai trouvé mon maître, et c'est lui qui est là comme un petit toutou. Ouais, ça, ça m'étonne pas de toi. Hein. Qu'est-ce que tu veux, je suis comme ça? Oh là, toi, au moins, tu fais pas de complexe. Mais à quoi ça sert? Ça fait perdre du temps. Dis-moi, t'es vraiment amoureuse? Ben, c'est encore trop tôt pour que je sois sûre, mais j'en suis pas loin. Dommage. Finalement, il m'aurait bien plu, ton petit Julien. Mais c'est pas vrai, toi. Il te les faut tous. Non, seulement ceux qui me plaisent. Et je pique jamais le mec des copines. Ah, je te remercie de ta générosité. En tout cas, les filles, on a vraiment une chance fabuleuse. Vous vous rendez compte? On est trois filles et on rencontre trois garçons de rêve. C'est eux qui ont une chance fabuleuse. C'est nous qui sommes des filles de rêve. Ouais. T'as raison. Jérémy, tu peux pas venir habiter ici, où est-ce que tu veux qu'on te mette? Attends, ça va, je suis pas grand, hein, je prends pas beaucoup de place. Hein. C'est pas ça le problème, où est-ce que tu veux qu'on mette un lit? On peut à peine bouger ici. Attends, bon, on peut peut-être acheter un lit de camp.
Bah oui, il y en a des tout petits qui se replient. Et pendant la journée, bah on a qu'à le replier et le mettre dans le petit coin là-bas. Ouais, et toi aussi tu te replies la journée, on te mettra dans le petit coin là-bas. Ha ha ha, c'est très drôle ce que tu viens de dire, je suis mort de rire. Bon, écoute Jérémy, t'es sûr que ça peut pas s'arranger avec ta logeuse? Mais oui, je m'entends pas avec son chat, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse moi? Attends, mais comment ça tu t'entends pas avec son chat? Bah ouais, bah dès qu'il me voit, il crache, il gonfle ses poils, plus il paraît que ça lui donne de l'eczéma. Non mais le vétérinaire est formel, hein. C'était lui ou moi. Et bah elle a choisi. Et de toute façon, moi j'étais allergique aux poils de chat, donc bon... Ah ouais? Ah ouais, non mais c'est un persan. Je sais pas si vous savez ce que ça peut perdre comme poils ces bêtes-là. D'ailleurs, je sais pas pourquoi on appelle ça un persan, ça en perd au moins 1000 par jour. Non mais en plus, il avait un nom ridicule. Miminou. Vous vous rendez compte? Miminou. Miminou? Et bah ouais, Miminou, et c'est à cause de Miminou que je suis à la rue. Ah ouais. Bon, Jérémy, Julien et moi, on aurait été prêts à te rendre service, mais là, franchement, je sais pas où on peut te caser. Ah. Désolé, vieux. On peut pas le laisser comme ça, on va se débrouiller. Ah bah tu vois, toi au moins t'es un pote. T'as vu, Fred? Julien, au moins, lui c'est un vrai pote. Okay. Tu vois? Eh bien, bienvenue dans notre 16 mètres carrés, mon cher Jérémy, tu es ici chez toi. Merci, Fred, tu vois, je savais que dans le fond, je pouvais compter sur toi. Bon, par contre, va falloir que je trouve une place pour mettre toutes mes affaires. Hein. Bah écoute, je vais te libérer un tiroir dans la commode, là. Ouais, enfin je sais pas si ça va suffire, il va peut-être m'en falloir un deuxième. Enfin bon, je sais pas, je vais me débrouiller, je vais voir. Alors par contre, le gros problème qu'on va avoir, c'est avec mes guitares et mes amplis. Oui, parce que ça prend du volume quand même. Hein. Attends. Parce que tu comptes aussi amener les guitares et les amplis? Bah évidemment. Mais elles sont dans le camion, bah venez me filer un coup de main pour tout monter là. Ah oui, puis il y a aussi la batterie et la sono de mon frère. Ah oui, il avait tout mis dans ma piole parce que j'avais un petit peu de place. Mais vous inquiétez pas, hein, tout ça est dans des fly caisses, hein, pas de problème. Allez, arrête, c'est ridicule, ils vont se moquer de nous. Mais pourquoi? Julien joue super bien du piano. Et Jérémy nous a dit qu'il était guitariste et Fred bassiste. Écoute, on monte des groupes à 15 ans, pas à 20. Mais pourquoi pas à 20? On n'est pas des momies, hein? Ouais, bah on a nos études. Et alors? Il nous reste du temps, on peut répéter le soir et les week-ends aussi. Hein, hein? Et on répéterait où? Bah, à la cave. N'oublie pas qu'on a une cave avec l'appart. Et elle est vide, on s'en est jamais servi. Elle est minuscule. Et alors, comme ça, on pourra serrer contre eux. Ah bah, de toute façon, ils ne sont pas d'accord. Ça coûte rien de leur en parler, quand même. Hein. Ok, t'as raison. Occupe-t'en. Ben, justement, tu veux pas le faire, toi, avec Julien, parce qu'avec Jérémy, on n'est pas assez proches. Ouais, bah, écoute, on verra. Hein. Ce serait génial. Et en plus, j'ai un nom pour notre groupe. Ah ouais, lequel? Le groupe. Ah mais bon, en rangeant ça un petit peu contre le mur, hein, on devrait y arriver, hein. Ouais. Puis on pourra peut-être creuser un tunnel aussi pour accéder à la salle de bain. Arrête, mais t'es toujours négatif. Non, au contraire. Je suis très positif. Tiens la preuve, regarde. Je me casse. J'ai rendez-vous avec Géraldine. Ciao, les copains. Et puis, bon courage. Hein. Je sais pas comment tu fais pour le supporter, hein, mais il a vraiment un caractère de chien. Hein. Ouais, il est sympa, au fond. Enfin bon. Cela dit, c'est vrai qu'on a un problème. Non, mais enfin, tu sais, c'est provisoire. Hein. Dès que mon frangin revient, hop là, j'irai sa batterie et son matos, on est débarrassé. Hein. Ah ouais, c'est cool ça. Et il revient quand ton frangin? Dans 5 ou 6 mois. Ouais. Bon, tu me files quoi comme tiroir? Bah, je sais pas, je vais voir. Ah, bien. Enfin, bon, faut qu'on se dépêche. Hein. J'ai promis à Sandra d'aller la chercher à son cours de danse. Tu viens avec moi? Ouais, bah, enfin. Pourquoi? Il y aura Barbara. Eh ben justement. Tu vois, j'ai pas envie d'être le chien-chien à sa mère qui vient chercher sa maîtresse. C'est à quoi leur donner des mauvaises habitudes, ça, hein? Moi, ça me dérange pas du tout. Au contraire, ça va être sympa de les voir danser. Tiens, ça, j'y avais pas pensé à ça. Et au fait, en parlant de Sandra... Oui? Tu trouves pas qu'elle a des chevilles un petit peu épaisses? Non, pas du tout. Elle a très jolies chevilles. Oh, enfin, elles sont un petit peu épaisses. Et puis sa poitrine... Terrible. Mais moi j'aime pas les grosses poitrines de toute façon.
Et ses cheveux, t'as bien regardé ses cheveux ? Jérémy, où tu vas en venir là ? Bon, écoute, je vais être franc. Bon, sincèrement, mais alors sincèrement, eh ben je me disais qu'un mec comme toi, tu vois, ça pourrait en trouver une beaucoup mieux. Je sais pas, moi, un top model par exemple. Tiens, puis il y a un autre truc, elle est beaucoup trop petite pour toi. En revanche, je suis sûr que tu pourrais t'en contenter, c'est ça ? Tu sais, moi, je suis beaucoup moins difficile que toi. Ouais. Enfin bon, je te comprends vraiment pas. Hein. T'as un boulevard avec Barbara et tu me parles toujours de Sandra. C'est pas pareil ! Barbara, elle est toujours sur moi. Et ça m'énerve. En plus, elle est toute petite. Bah justement, ça t'évitera de mettre des talonnettes quand tu sors avec elle. Alors ça, très drôle. Super drôle, très 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 marrant ça. Eh ben tu vois, c'est ce que je t'avais dit. Il va m'en falloir un deuxième. Regarde, mes affaires sont toutes entassées, ça donne des faux plis. Salut Géraldine. Ah, salut Vincent. Enfin, tu vois, je vais beaucoup mieux depuis que tu m'as quitté. Ah oui ? Ouais, avant j'avais tout le temps peur que tu me trompes et maintenant qu'on n'est plus ensemble, j'ai cette angoisse en moi. Tu vois, je te l'avais dit. Ouais, mais je suis toujours amoureux de toi, tu sais. J'espère bien. Et je me dis peut-être qu'un jour, quand tu auras fait le tour de tout, tu reviendras vers moi. Qui sait ? Tout est possible. Enfin, moi je t'attendrai. Et si t'as besoin d'une voiture ou quoi que ce soit, je serai toujours là pour toi. C'est l'essentiel. Bonjour. Salut Steve. Besoin d'un séjour ? Oui, oui, un de ces jours. Je savais pas que t'étais sortie avec ce type aussi. Moi, c'est pire. Je m'en rappelais même pas. Enfin... C'est vrai ça, qu'est-ce qu'il fait ton Fred ? Il est en retard. Je sais pas, il va arriver. Il va arriver. Enfin, moi, je te rappelle que quand tu me donnais rendez-vous, j'étais toujours à l'heure. J'avais même un quart d'heure d'avance pour pas te faire attendre. Oui, je sais. C'est vrai. En tout cas, je suis contente de voir que tu es heureuse. Et comment tu peux savoir que je suis heureuse ? Parce qu'avant, quand je te parlais, tu m'envoyais tout le temps balader. Et maintenant, tu es gentille avec moi, donc ça prouve que tu es bien dans ta peau. Oui. Bon, le voilà, je te laisse. Si t'as besoin que je vienne te chercher, tu m'appelles. C'est pas bien, ça. Ça fait 10 minutes qu'elle attend. Ouais, je sais, désolé. C'était qui, lui ? Ah, un copain. Il m'a déposé. Et puis, il m'a tout accompagné pendant que tu étais pas là. Et tu étais où, toi, alors ? Eh bien, j'étais en train de vivre les envahisseurs en direct. Mmh. Jérémy qui a débarqué chez nous avec tout son barda. Je suis désolé. On y va ? Déjà ? Ben quoi, t'as pas envie ? Ah si, si. Ben alors qu'est-ce qu'on attend ? T'as raison. J'aurais dû dire à Benoît qu'il nous attend, il nous aurait déposé en voiture. Mais t'inquiète, j'ai les clés de la voiture du frangin. Oh génial ! On va gagner au moins 10 minutes. Là-bas. Elle est canon, non ? Ouais, bof. Elle est moins belle que Sandra, mais au moins elle est grande. C'est fini pour aujourd'hui, merci à tous. Merci. C'est sympa d'être venu vous chercher. Ah, ah bah ouais, 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 ça nous fait plaisir, ouais. Salut. Salut. Elle est top ta tenue, hein. Ah, merci. Barbara n'est pas mal non plus, hein. Hein ? Ah, ouais, 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 ouais. Excuse-moi. C'est qui la grande là-bas ? C'est Jennifer, une copine. Ah ouais. Ah, est pas mal, hein. Ouais, elle est grande. Ouais. Bon, tu viens, on y va. On vous rejoint tout à l'heure, on va prendre une douche. Hein. Ah bah tiens, on peut peut-être venir prendre une douche avec vous, hein. Ok. Ça faut que j'ai ça pour rire, moi. Elle est bien, la grande, là. Hein. T'as pas l'impression de te conduire comme un mufle ? Ouais. Non, pourquoi ? Ouais, si tu veux.
Ah ouais, pardon, ouais. Bon, les garçons, on a un truc à vous dire. Ah oui? Ouais, on a une idée avec Sandra et... Bah vas-y, tiens, explique-leur. À vrai dire, c'est surtout Barbara qui a l'idée. Vas-y, dis-leur, t'as beaucoup plus réfléchi que moi. Mais non, c'est toi, de toute façon, tu parles mieux. Bon, alors c'est quoi, petite idée? Bon, c'est ridicule, mais Barbara s'est aperçue qu'on faisait tous un petit peu de musique. Enfin, tous les quatre, au moins. Mais ouais, c'est vrai, ça. Tiens, j'y avais pas pensé. Ça me donne une idée. Et si on formait un groupe? Bah ouais, ce serait génial. En plus, trois filles et trois garçons, c'est super original. Bah ouais, c'est une idée formidable. Pourquoi on n'y a pas pensé avant? Bah ouais, moi je joue de la guitare, vous trois du clavier, on a qu'à mettre, je sais pas moi, un piano et deux synthés, et Fred à la basse. Bon, par contre, il va nous manquer un batteur, c'est vrai. Mais bon, ça va se trouver ça, qu'est-ce que t'en penses, Julien? Ça a l'air cool, mais je sais pas si ça va vraiment plaire aux filles. Ah, moi je trouve ça super, hein, je suis partante. Toi aussi, Sandra, non? Oui, pourquoi pas. Et bah voilà, qui c'est qui a toujours les bonnes idées? C'est Jérémy. J'y peux rien, c'est comme ça depuis que je suis tout petit. Enfin, je veux dire, tout jeune. Bah arrête, t'es tout à fait bien comme ça. Bon alors, c'est d'accord? Pour moi, c'est bon. Ouais, pour moi aussi. Barbara a dit oui. Bon, moi, comme j'ai eu l'idée, forcément, je peux pas être contre. Yes, aïe, c'est parti. Vous savez quoi? J'y mets un nom pour le groupe. Jérémy et ses potes. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est marrant, mais t'es vraiment pas mon type de mec. Bah, ça tombe bien parce que t'es vraiment pas mon type de fille. Ah, et c'est quoi ton type de fille? Ben, plutôt blonde et aux yeux bleus. Et toi, c'est quoi ton type de mec? Bah, plutôt brun, assez typé, tu vois. Ouais, d'accord, on est vraiment mal barré. Ouais, on est vraiment mal barré. Heureusement que je suis là, je sais pas ce que vous feriez sans moi. Mais attendez, il y a un petit problème quand même. C'est bien joli de faire un groupe, mais où est-ce qu'on va répéter? Ah ouais, ça c'est un problème. T'as pas une idée? Comme ça, non. Vous nous avez pas dit que vous aviez une cave qui allait avec votre appart la dernière fois? Bah oui, mais elle est trop petite. Mais on a pas besoin de beaucoup de place pour faire de la musique. Vous avez rangé des choses dedans? Non, pour l'instant, on s'en est pas encore servi. En plus! Quoi? Attends, je crois qu'il est coincé, là. Hein hein? Mais non, je suis pas coincé, je fais parce qu'on a tout le matos à la maison. On a la batterie et la sono de mon frère, et en plus, toutes mes guitares. Donc, ça nous permettra de faire un petit peu de place. C'est vrai que c'est une bonne idée, ça. Eh ben voilà, tout est réglé. C'était quoi, en fait, votre idée, les filles? Ah bah non, c'était beaucoup moins bien. Hein. En fait, on voulait faire une soirée musique, c'est tout. Tu vois, ça, c'est le problème avec les filles. Elles vont jamais jusqu'au bout de leurs idées. T'as raison, t'es trop mignon, mon Miminou. Comment tu m'as appelé? Bah, mon Miminou, c'est sympa, non? Pardon. Bon, et ben voilà, on a pu garder sans tout ça. J'ai bien fait de garder le camion de mon oncle, hein. On va vous aider, hein. Mais il est parti où, Fred? Là, il aurait pu vous filer un coup de main, quand même. Bah, apparemment, il s'est trouvé un petit nid d'amour avec Géraldine et il en profite, hein. Ah, c'est pour ça que Géraldine n'est pas venue danser avec nous. Elle avait beaucoup mieux à faire. Bon, tu viens, mon Miminou? Il m'appelle plus jamais mon Miminou. Oh, c'est vrai, excuse-moi, j'avais oublié. Allez. Aide-moi. Ils sont mignons, tous les deux. Oui, enfin, surtout elle, hein. Oh, bah, tu sais, il a l'air un peu foufou comme ça, mais je suis sûre que dans le fond, c'est un gentil garçon. Ouais, dans le fond, c'est vrai. T'as raison. J'ai envie de t'embrasser. Moi aussi. Et on n'en profite pas pour traîner, là, hein. C'est bon, on arrive. C'est pas cool, hein, ils étaient en train de s'embrasser. Bah, ils s'embrasseront quand on aura fini. Allez, tiens. Non. Et... Pourquoi? Parce que j'ai envie de t'embrasser moi aussi. On n'a pas le temps là. Eh ben, on va le prendre. Ok, j'ai compris, tu voulais la place. Mais non, pas du tout. Allez, viens, on y va. On peut pas faire une petite pause? Si tu veux. Bon, allez, on y va, nous. Ben non, on a dit qu'on était en pause.
Puis en plus, on est sûr que personne ne viendra nous déranger. Ça doit être dans la cave d'à côté. Mais là, il y a quelqu'un qui arrive, là. Ça doit être cambrioleur, viens. Voilà, c'est là. C'est génial, cet endroit. C'est exactement ce qu'il nous fallait. En plus, il y a même un canapé. Hé, hey, attention. Mais qu'est-ce que vous faites, là? Et vous? J'en ai fait montrer la cave aux garçons. Je suis désolée, mais on savait pas que vous étiez là. Ah non, mais j'ai compris le nid d'amour. Je vous jure que c'est l'idéal, hein. On va faire une super salle de répète avec cette cave. Bon, bien sûr, il va falloir vous trouver un autre nid d'amour, mais bon, ça doit se trouver, ça, des nids d'amour. Ouais, ouais. Et puis en plus, comme ça, on a débarrassé complètement votre piole. Moi, tu peux pas râler. Ok, d'accord, je ne peux pas râler. C'est quoi, je vais te dire mieux, même. Si ça se trouve, on va peut-être devenir des stars. T'entends, des stars? Ah, ça, remarque, ça serait sympa. Bah ouais, attends, hey, trois belles filles et trois mecs sublimes comme nous, attends, c'est sûr que ça va cartonner. Ouais, enfin, ce qu'il y a de bien avec Jérémy, c'est qu'il n'est pas enthousiaste. Hein. En tout cas, ça présente un avantage, hein. Je vais voir mon Mimi tous les jours. T'as vu, j'ai enlevé le nous, hein. Enfin bon, ça empêche que c'est toujours ridicule, hein. Ouais, mais moi... De toute façon, moi, je suis de bonne humeur, alors je dis rien. Ouais, t'as raison, la vie est super belle. Tiens, moi, ça me donne envie de faire de la musique. Je peux? Bien sûr. Bah, pourquoi vous jouez pas à quatre mains? Ouais, pourquoi pas? Ça va faire un malheur, cette mélodie. Ça, c'est un tube, hein. Eh, mais c'est quoi toute cette fumée, là? Oh, un autre malheur, c'est notre...